Salut, c'est Maillard, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes le lundi 28 et je profite évidemment du passage de la tondeuse à l'extérieur pour faire cette annonce en introduction. Ce soir, en live, nous allons avoir la suite des aventures du dandy chaton en Tamriel. Encore une fois, parti pour sauver l'humanité tout entière minimum. Et nous allons profiter de l'événement pour vous offrir une clé ESO. Et j'espère que vous n'allez pas vous y habituer. Et en plus de ça, quelques loups de ruines peut-être bien. Ça, c'est pour ce soir. Et je profite également de cette avance prise en annonce pour parler d'un live exceptionnel demain soir, mardi. Parce que jeudi soir, le soir d'Halloween, eh bien, il n'y aura pas de live. Je serai sur Paris pour la PGW. Donc, demain soir, un live assez exceptionnel parce que nous aurons un invité de qualité, Bastien. Bastien, qui a illustré sur Magic, qui illustre sur League of Legends, qui a illustré sur Bloodborne, qui a illustré sur 1 milliard de millions d'univers. Et nous aurons l'occasion d'explorer les siens, notamment un nouveau qui émerge, qui est celui d'un jeu de rôle, Gods. Et il aura l'occasion, lui, de nous en parler. Et vous aurez, vous, l'occasion de le questionner sur son cursus, sur ce qui l'anime, sur ce qui le fait vibrer. Et aussi de partager un petit moment très sympa demain soir. Donc voilà, portez-vous bien en ce jour. On en reparle ce soir en live. Je crois que c'est parti, mon... Ok... La 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 la. Oh. Ok. Oh non. Il y en a qui s'est déjà pris un coup. Non, ne déconnecte pas s'il te plaît. Ne fais pas ça. Bah, tant que tu ne snipes pas en tant que tueur. Pas sniper. Je veux de la peinture. Tu m'entends? Alors, le prochain JDR que j'espère faire, ce sera un slasher, en fait. Sur le bazar, en revanche, ce sera un univers type Sin City et GTA. Et après le slasher, je compte faire de la SF. Voilà. Donc, tout ça est déjà posé. Celui de la SF est probablement le plus compliqué. Compliqué à mettre en place. Parce que il repose sur une licence qui est mondialement connue. Le slasher, c'est plus un plaisir perso. Et une créa perso. Non, merci beaucoup de l'avoir amené ici. Non, 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 non. Ah non. Ok. Mais ça m'équipe. Je pense pas que ça arrivera. C'est comme ça qu'on fait, Donc je suis en train de dire que pour moi ce qui compte c'est
ça fait. Ah non, pourquoi vous faites ça les gars, faut vous tromper. Tiens, on va par là. Hein. Non, je vais pouvoir bosser un peu là. Ça reste la chatte, pas que quelque chose de monstre est plus effrayant. Ça dépend des gens en fait, la sensibilité des gens en vérité. Hein. Est-ce qu'on peut faire un petit, s'il vous plaît, moteur? Est-ce que vous avez noté comment on fait? Est-ce que... merci beaucoup. Ça serait assez aimable. 1 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
Pendant ce temps-là, le prédateur, lui, s'en donne à cœur joint. La famille Léopard s'en sortira-t-elle ? Excellente question. La famille se répartit les tâches. Le papa Léopard détruit la cachette du prédateur. Il poursuit, les uns après les autres, les éléments qui vont pouvoir permettre à la famille Léopard de s'en sortir. Cours, Léopard, cours ! Disait-il. Tout de go, le papa Léopard va en chasse. Venez, famille Léopard. Et ainsi, la sœur Léopard s'en alla, tous deux moonwalk. Dis donc, le petit Léopardo se retourna vers son papa et vers les autres et leur dit: abonne-toi! Active la notification!